C'est en début d'après-midi de ce vendredi 18 mars que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako, accompagné d'une forte délégation. Il doit s'entretenir avec les autorités de la transition, l'objectif étant de trouver un terrain d'entente autour de la durée de la transition et d'un calendrier électoral. La visite de Goodluck Jonathan était attendue parce que la première fois il était là, ils ne se sont pas trompés d'accord, donc il dit qu'il allait partir et revenir et c'est la suite logique de cette première étape. Donc je crois qu'il sera question du calendrier électoral qui est en tout cas un impératif et pour le Mali et pour et la CEDEAO. Comme je l'ai dit, vous savez, aucun pays ne peut, le monde est devenu un village interplanétaire. Aucun pays ne peut évoluer en vase close. Donc je crois que et le Mali, et la CEDEAO, et la France, tous ont dit qu'on a intérêt à s'entendre sur un calendrier pour atténuer la souffrance de la population. À Bamako, dans les grains, beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette énième visite qui doit permettre enfin de trouver un accord afin de lever l'embargo qui pèse sur le pays depuis le 9 janvier dernier. Les Assises nationales de la Refondation avaient souhaité une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, validée par la nouvelle charte de la transition. Des Maliens estiment qu'un délai supplémentaire de 20 mois en lieu et place des 16 mois proposés par l'Union africaine est largement suffisant. On a épuisé une phase de la transition de 18 mois, plus les 20 mois, je pense que c'est un peu raisonnable. Dans ces 20 mois-là, je crois que les autorités, s'ils donnent la bonne foi, ils peuvent faire beaucoup de choses. A noter que le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a affirmé sur son compte Twitter avoir appelé le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, 24 heures avant l'arrivée en terre malienne du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Mais l'on ignore la teneur de leur conversation. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.